En 5 jours d'audience, elle aura laissé échapper bien moins de mots que de larmes. Dominique Cotteret encourt la réclusion criminelle à perpétuité, mais l'avocat général a appelé les jurés à trouver une peine équilibrée, suffisamment sévère, mais aussi empreinte d'humanité. Les proches de l'accusée, eux, espèrent qu'elle ne retournera pas en prison. Ils pensent être les seuls à même de prendre soin d'elle. C'est ça qu'ils souhaitent, simplement, en tant que fille, en tant qu'époux, prendre soin de cette dame. C'est à leur côté qu'elle avancera le mieux. À la barre, l'expert psychiatre a expliqué l'hyperfragilité, l'hypernévrose de cette ancienne aide-soignante de 51 ans. Mais face à la gravité des faits, les parties civiles réclament une peine de prison. Elle doit être condamnée, indiscutablement. Elle ne peut pas être condamnée à la perpétuité, ce qui était évident. Mais il faut que de crimes aussi horrible, ne reste pas impuni. Hier, l'avocat général a requis une peine de 18 ans de prison, un non-sens pour la défense. Moi, je pensais véritablement que l'affaire Courgeot, je pensais que les articles qui avaient eu lieu dans la presse, je pensais que les avis des experts médicaux avaient fait avancer les choses, mais pas du tout. J'ai l'impression qu'on juge un néonaticide comme en 1950. Trouver un verdict adapté à cette affaire hors norme, ce sera la difficile tâche des jurés de la Cour d'assises du Nord.